Salut tout le monde! Comme j'expliquais dans l'épisode d'hier, en fait, hier soir, j'avais une rencontre, une rencontre avec la Chambre de commerce de Saint-Hyacinthe. En fait, c'était le 5 à 7 des nouveaux entrepreneurs de la région. Puis c'est ça, j'ai eu l'opportunité de présenter mon entreprise. J'avais peut-être une quarantaine de personnes. Puis j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui filme la petite vidéo. Fait que, dans le fond, on va commencer ça comme ça, avec l'intro. Puis je vais vous montrer les vidéos par la suite. Désolé de la qualité de l'image, c'est pas moi qui ai pris la vidéo en capture, mais c'est pas grave, le message est là pareil, fait que je vous montre ça. Je suis un ébéniste, puis c'est ça, dans le fond, j'ai travaillé toute ma vie dans l'ébénisterie, tu sais, puis c'est ça, pour faire ça vite, j'ai démarré mon entreprise en janvier l'année passée, en même temps, faire mon cours de lancement d'entreprise, puis nous autres, ce qu'on fait, en fait, c'est vraiment le... On offre un service là, pour les designers, on fait des produits personnalisés pour les entreprises. Là. Je pense souvent qu'à la crème pâtisserie, ici, content de faire une planche à pain là, sur mesure pour eux autres, pour mettre en vente dans le magasin en bas. Puis le point fort qu'on a, nous autres, c'est que c'est tous des produits, dans le fond, le bois qu'on utilise, c'est des arbres qui sont coupés de la région aussi, qui sont soit malades ou en fin de vie ou qui doivent être déplacés. Fait qu'on, c'est des arbres qui sont coupés comme parce qu'ils devaient être coupés, non pour faire un meuble ou une pièce de bois. Et on prend ce bois-là pour le réutiliser pour faire un meuble avec, au lieu que ce soit brûlé, enfoui ou composté. Puis c'est ça, c'est la valeur écologique le plus possible. Donc quand c'est possible, on y va avec ça, sinon on essaie d'y aller le plus à respect de la nature possible. Pour ça, l'art au service de la nature. Merci, M. Bousquet. Fait que c'était ça, la petite vidéo de présentation. Dans le fond, je trouve ça plat, facilement qu'il y a un bout de vidéo, le début le plus important, tu sais. Ou ce que j'ai fait de ma joke, tu sais, que je dis au monde que moi, je suis un gosseux de bois, tu sais, pour faire rire le monde, ça marchait un peu, mais tu sais, c'est ça, je m'étais dit, il faut que je trouve une façon de me présenter sans être plate et monotone, je veux que le monde se rappelle de moi, tu sais, fait que je me suis dit, on m'a dit, mais je gosse du bois, tu sais. Mais c'est ça, finalement, ça a pas filmé cette bout-là, fait que c'est pas grave. Dans le fond, j'ai expliqué vite mes services, on avait comme une minute pour faire notre speech de vente, si on veut, tu sais. Fait que ça a été ça qui est sorti, puis. Avec le temps, je vais m'améliorer. Là. C'est ça. Sinon, dans le fond, aujourd'hui, on s'en va à l'atelier. Là, je vais aller compléter des commandes que j'ai à compléter pour des clients, faire des expéditions, ces choses-là. Pas grand-chose d'intéressant à vous montrer en caméra. Fait que, si je trouve un sujet intéressant à vous parler pour la prochaine capsule, ben je vais penser à ça aujourd'hui. Puis vous montrer ça dans les prochains jours. Mais là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Puis n'oubliez pas que je vous aime. Puis on se voit bientôt dans un prochain épisode. Bye!